C'est moko na sengi tolanda poeza na ta afidi pipi eza na vitesse information yo sopona bino na sengi tolanda ya mobala mande fwa pepe Didier Masuki avec Pesa Chilizi l'étoile la rose et l'umpumu Milon Zuma métisse noir Bogos Anderson na caméra na sengi tolanda Mobali amande fwa pepe Didier Masuki Batikali Didier Masuki Avis du public Bazana Kumba Vitesse Wapi Bande ko balandi ya vie du public mbote na biso mbote lisusu parce que na yebi ke boza ebele bozola na biso na tango oyo po bo vota biso na premier tour ndenge na lobaka deuxième tour esate tala ndenge ba poli na bango esengo za na biso lelo kokuta mini émission ya lelo pamba te tozo beta solo tokolakisa bino artiste moko bomona to boyoka ye a musicien mais vous découvrez malamu te vous décortiquez malamu te artiste wana za ki handicapé moteur azaki pe handicapé na ba droit na ye ya on tozo beta solo ya ba droit des artistes congolais lelo na émission na biso ya lelo kasi ya moto kota na bozindo ya émission na biso ya lelo na kosepela Vincent Chiluizi na Daito Simpi ati la biso extrait na nou ya artiste oyo Angela moto na vélo tolanda et ça va biso moi bien Voilà, merci beaucoup et pas à Vincent, merci Daito. Extrait, on a yangé la moto na vélo, je crois, et c'est Pelissi Diki la Rose, moi na Popia Mkolo, et c'est Pelissi Aziza Mkuse, et c'est Pelissi Lévi Cyril Arsène Modali, les garçons capables, puisque lui n'existe pas, nous t'en bagarre de la terrain de haut. Tanya Gola, et c'est Pelissi O, et c'est Pelissi chef d'entreprise Santos Dijira, Nanya Lobi, merci. Et c'est Pelissi Nadine Masuki, fils qui est là, na maman Iguette, et c'est Pelissi animé Tabalobi, choco frappant, choco mirabolant, choco qui toque au mingi. Et c'est Pelissi famille simple en France, et c'est Pelissi Alain Mouena Bilbao, et Isalaki Angela Motona Vélo. Angela Motona Vélo, au Rousomona. Toi là qui avait du public, Isalaki, tu as souka ou bagne qu'on s'est les reportages. Angela Motona Vélo, tu es beaucoup faillé, c'est là, deux ans passés. Kalate tozo kanisaye ayo to ditozo ngena na image na ilelo elungu bo kanisa ndenge azala ki azay koyemba kitoko ayi mana ba defao akoma ba dimba kitoko mais atusha ba droit na été de artiste congolais depuis art kota na Congo depuis banda musique au théâtre basi mona ka ba droit na bangote to yebite po na nini yango série wani ze série ya Sonika les lieux comme Sokoda, mais tout le monde a dit que 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 papa Kongwe Kimi, ouais, papa Wanati, le lobe, a envie, mais a touché à droit n'a été. Bartiste, premier délai, bah, comédien, n'en parlons pas, mais Tolanda, reportage au Nasaladi, et pour Sepelissi Abisso, peut-être relancer sous ma cantine Abisso, pour Zagina Angela Montana Vélo. Angela Montana Vélo, Tobita Solo, Tolanda. Ba
Pendant qu'ailleurs, c'est l'État qui assure la promotion et la protection des artistes et leurs œuvres. En République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. Ici, les artistes vivent dans une misère indescriptible, sans soutien matériel ni financier. Ils sont abandonnés à leur triste sort, sans qu'ils ne bénéficient ne serait-ce que des droits d'auteur. Et quelquefois, quelque part bafoués. Parce que nous voyons beaucoup d'artistes mourir pauvres. Alors, ce qui fait que quand nous analysons les œuvres d'art produites par cet artiste-là, et puis la valeur de ces œuvres-là, parce que quand on le diffuse dans les grands médias, par exemple, donc l'artiste doit avoir beaucoup de revenus. Nous ne pouvons pas avoir des artistes quémandeurs. Parce qu'aujourd'hui, quand je prends seulement le cas du piratage, les œuvres des artistes sont piratées. À un niveau que l'artiste même, lui qui produit, lui qui est le concepteur, l'initiateur, parce que une œuvre d'art, ce sont des œuvres d'esprit. Alors quelqu'un qui a conçu quelque chose résultant de l'imagination doit vivre de ses œuvres. Mais aujourd'hui, avec le piratage, l'artiste ne peut pas vivre de ses œuvres. Il y a encore un autre fait très important. Quand nous prenons par exemple la musique, mais nous avons combien de médias audiovisuels aujourd'hui dans notre pays qui diffusent la musique à la longueur de la journée? Mais ces artistes-là, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme dividende de ces œuvres-là? Parce qu'une œuvre diffusée dans les grands médias, sans le consentement de l'artiste, a toujours des imputations monétaires qui s'ensuit toujours après. Dans ces conditions, l'artiste congolais se trouve cloué dans un univers où il est obligé de se démerder malgré ses multiples talents afin qu'il survive. Cela étant, l'artiste congolais se voit dans l'obligation de jouer même le concert de routine, objectif, trouver le minimum de survie. Ainsi, cela constitue un handicap pour la promotion de l'artiste congolais, comme le déclare ses dramaturges. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons une société des droits d'auteur, la SODECA, qui essaie un peu de réglementer tout ça. Mais il faut aussi demander aux artistes combien sont ceux-là qui déposent leurs œuvres à la SODECA ou soit à une société des droits d'édition pour que ça soit conservé, pour que cette œuvre-là lui revienne de plein droit. Ils ne sont pas nombreux. Vous vous rappelez encore de l'histoire de Manu Dibango et Michael Jackson? Aujourd'hui, Manu Dibango continue toujours à vivre à cause de l'extrait de la chanson Sangamakusa. Et cet extrait-là, Manu Dibango vit de ça parce que Michael Jackson a essayé de mettre ça dans son album. Mais aujourd'hui, Manu Dibango a porté plainte et il est revenu dans ses droits. Donc nous, les artistes congolais, nous devons aussi faire de même. Nous devons d'abord connaître nos propres droits. Nos propres droits quels sont nos droits? Nous devons savoir que les œuvres d'esprit doivent être protégées pour éviter que quelqu'un d'autre puisse l'utiliser. Quand nous protégeons, nous partons dans une société de droits d'auteur. À ces moments-là, nous allons maintenant connaître que voilà, une œuvre d'art doit être protégée et une œuvre d'art doit, l'artiste doit vivre à travers ses œuvres. Mais généralement, les artistes sont dupés. On peut même exposer les œuvres d'art pour un prix qui ne correspond même pas avec la valeur de l'œuvre que toi tu exposes. C'est grave. L'État congolais ne subventionne pas les œuvres d'art, les artistes. Dans d'autres cieux, vous allez voir un artiste qui se déplace a toujours le soutien de son gouvernement. C'est le cas de Ngambara Lingele, dit Angela Motonavelo, qui depuis son premier opus en 1985 avec le groupe Dynamique Acha, demeure victime de ses droits d'auteur. Album est venu et était calme.
Malgré son affiliation à la Sonica, Angela Mutonavelo n'a jamais retrouvé ses droits d'auteur comme il les déclare ici. Ça déjà fini depuis 1987. Ce n'est pas au Congo et l'autre. Donc il n'est pas mon mot. Ok, les années à Nzembo n'a déclaré, on peut être caché dans moi. Sonica n'a mon attaque. C'est quoi il faut? On n'est pas au Yébissan. Avenir et la musique congolais, vraiment, surtout de continuer dans la bande de Ngoyo. Et que ça va mal à mon tour. Vous allez mal à mon musicien, à la matoua naïe. Donc, l'auteur, à côté de moi, facilement, n'est pas salé mon salaire. Au moins, il y a une évolution. Vous allez que vous salez mon salaire. Na souka rentabilité zate ba droit pe zate souka raboué mawato. L'attitude de la Sonica est toujours fustigée par plusieurs artistes en République démocratique du Congo. Mais contactez les responsables de la Sonica à Kinshasa, qui ne connaît ni les tenants et les aboutissants de ses propos, estime que sa structure promet que les artistes qui produisent des œuvres qui rentabilisent et mobilisent les fonds pour faire fonctionner la Sonica. Ses propres œuvres réalisées et qui sont performantes sur le marché, c'est-à-dire des œuvres qui subissent les droits d'exécution publique, peuvent bénéficier, je dis bien, peuvent bénéficier d'une rétribution. C'est ce que nous appelons ici les salaires différés. Mais il ne faut pas rêver que ces salaires différés tombent du ciel. C'est l'œuvre d'un travail bien fait, apprécié par l'opinion publique, qui s'écoule sur le marché, et c'est ces produits-là qui génèrent des revenus, qui sont collectés par nos services à travers les différents usagers, qu'on élabore la répartition. C'est la répartition qui fixe la fourchette qu'on doit devoir attribuer à chaque artiste. Nous ne pouvons pas prétendre connaître tous les jeunes artistes qui sont sur le marché, surtout qu'ils sont très très nombreux. Ainsi, tiqués par l'inexistence des droits d'auteur en République démocratique du Congo, ces artistes, et particulièrement les musiciens, préfèrent s'affilier aux sociétés de protection des droits d'auteur étrangères, ce qui crée un manque à gagner pour les pays. Reportage où est-ce que les civils bana ngiringiri bana kimbangu bana kasavubu bana tu oyakini ou bébé Angela Mutonavelo je crois boyoki Angela Mutonavelo Angela Rassus na bisote akufi ya destila 2 ans et demi, 3 ans je crois sur la postanité à Kinda mais tim toki de sema bele à quel que soit le droit na été na invité bana ni ba olandi la droit wana est-ce que bozwa kamo lisusu. Je ne sais pas si je suis un artiste qui est un pauvre, un artiste qui est un boulot. Angela Mutonavelo, pendant que tu as le reportage concernant les droits des artistes, les droits d'auteur, il y a un peu de commentaires. La preuve, il y a un peu de commentaires. Il y a un peu de commentaires. Mais il y a remercier la famille Simpi, la France, la famille Oadaito Simpi.
n'a remercié Animeta de la part de Vincent, Babi Choco Frappant, Choco Mirabola, Choco Tala Libanga Moulaïsouka Namo Kitok. N'a remercié Alain Moué, na Bilbao, Babi Moukondia Bilbao, Alain Moué, fils Kinkela, na Mama Iguette, Bébi Mama Iguette, Mwindangolo, Aboya Hydrokinon Bandabou Mouane. Merci Mingi Paya Nadine Masuki. Merci Mingi Pana et chef d'entreprise Santos Digira. Tanya Gola na Bosanité. Lévi Cyril Modavi, les garçons capables. Plus que lui n'existe pas. Très fort, lui dit Rabin Anulat sur Mikolo. Si on a Mikolo, on a dit bien, c'est que yé. Yé taïna yé gam désolé au sabbat. Taïna yé zopé sabbat qui zoumouzoum. Aziza Moukousse na taïa guitare basse acoustique. Vedi Motenayo. Moi, c'est du toko, oh, il va bien, moi, la paupière, mon colo, Barbie, beauté fatale, dit qui la rose. Merci, mon bon ami, mon colo, la beauté, n'était pas haut, caméraman à série, d'ailleurs, aussi, bien, Simbi Bilili, caméraman soi. Je veux dire, on a commis fier, on a commis dans le caméraman et délai. Le grand Gérard, comment on a Lila. Le grand Gérard Lila, ici, quand on est aux Ali, il a dirigé par Lila. Merci à tous les bons amis. Si vous avez l'émission, vous avez bien tout vous savez, vous avez besoin de vous. Et ça, moi bien. Tout le prochainement, dans le numéro Yassik. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là.